Bonjour le Reborn, que la paix du Seigneur soit avec vous. N'allez pas à l'enfer à cause de ces choses. À cause de quelles choses? Écoutez. La fornication, de l'immoralité sexuelle, des drogues, de l'homosexualité. Sortez de la boisson, sortez du vin. Le vin que tu bois sur la terre là te rattrape en enfer, mais ce n'est plus le vin que tu boiras là-bas, c'est de l'acide. C'est de l'acide qui va brûler tout ton corps. Pardon, je vous en prie, ne voulez pas oublier ce message. Asseyez-vous, écoutez-le bien. Écoutez-le bien et changez de vie. Écoutez-le bien et suivez le Seigneur, suivez la voix du Seigneur. Écoutez-le bien, saisissez la grâce de Dieu. Peut-être que c'est la dernière opportunité qu'il nous donne. Le plus difficile, ce ne sera pas de mourir, ce ne sera pas de voir quelqu'un d'entre nous être détaché de nous, mais de savoir où tu iras. Il y a deux lieux de destination. Quel sera ton lieu de destination? Si Jésus revient à l'estomac sans te parler, ou si la mort te prend à l'estomac sans te parler, quel est ton lieu de destination? Par rapport à tout ce que tu poses comme action, tu n'as même pas le temps de demander pardon à Dieu. Toi, tu es dans le vin, mais tu rentres ivre le matin, la nuit. Le matin, tu t'élèves, tu repars dans tes occupations. Même pardon ne sort pas de ta bouche. Toi, tu es là, c'est toi qui connais toutes les femmes du quartier. Hein? Vous avez entendu ça? N'allez pas nous faire à cause de quoi? À cause de ces choses. Écoutez encore. La fornication, de l'immoralité sexuelle, des drogues, de l'homosexualité. Sortez de la boisson, sortez du vin. Le vin que tu bois sur la terre là te rattrape en enfer, mais ce n'est plus le vin que tu boiras là-bas, c'est de l'acide. C'est de l'acide qui va brûler tout ton corps. Pardon, je vous en prie, ne voulez pas oublier ce message. Asseyez-vous, écoutez-le bien. Écoutez-le bien et changez de vie. Écoutez-le bien et suivez le Seigneur, suivez la voix du Seigneur. Écoutez-le bien, saisissez la grâce de Dieu. Peut-être que c'est la dernière opportunité qu'il nous donne. Le plus difficile, ce ne sera pas de mourir, ce ne sera pas de voir quelqu'un d'entre nous être détaché de nous, mais de savoir où tu iras. Il y a deux lieux de destination. Quel sera ton lieu de destination? Si Jésus revient à l'estomac sans te parler, ou si la mort te prend à l'estomac sans te parler, quel est ton lieu de destination? Par rapport à tout ce que tu poses comme action, tu n'as même pas le temps de demander pardon à Dieu. Toi, tu es dans le vin, mais tu rentres ivre le matin, la nuit. Le matin, tu t'élèves, tu repars dans tes occupations. Même pardon ne sort pas de ta bouche. Toi, tu es là, c'est toi qui connais toutes les femmes du quartier. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Le monsieur donne toutes ses révélations en pleurant. Est-ce que vous vous en rendez compte? Ça m'a touché. Je n'ai pas d'explication à donner, mais ça m'a vraiment touché. Il pleure en disant, n'allez pas en enfer, n'allez pas en enfer à cause de ces choses. À cause de ces choses. À cause de ces choses que nous venons d'entendre là, et que vous voyez même sur le corps, la fornication, la drogue, l'alcool, tous sont des péchés. Nous sommes tous soumis à la tentation. Je suis soumis à la tentation. Cette semaine, j'ai lutté. J'ai vraiment beaucoup lutté. Le diable et ses démons m'ont attaqué. Même sur le terrain, il m'attaque. J'ai vu plusieurs filles et femmes, même les femmes mariées, venir sur mon chemin cette semaine. Et c'était d'une beauté terrible. Je vous ai expliqué, même dans la vidéo que nous avons traitée il y a quelque temps, je vous ai dit que j'avais vu une femme vraiment très belle, avec un parfum fort. Je ne pensais pas qu'elle était humaine. Jusqu'aujourd'hui, je me pose la question de savoir, mais est-ce vraiment un être humain que j'ai vu? Tellement je suis choqué.
Je me suis endormi hier. Et dans mon sommeil, j'ai vu beaucoup de choses. J'étais comme perdu dans un nouveau quartier ou bien une nouvelle ville. Je cherchais un lieu de repère, je cherchais à rentrer chez moi, mais je ne sais pas par où passer. Quand je suis tombé devant une école que je n'ai jamais vue physiquement, et je rencontre une personne de mon église, et je me dis, bon, comme je connais cette personne, peut-être qu'elle me montrera le chemin. Et je me suis mis à suivre cette femme, c'était une femme. Plus je la suivais, elle commençait à toucher ma partie intime, mon sexe. Je dis, mais qu'est-ce que c'est? Mais je continuais à la suivre quand même. À un moment donné, elle s'est mise nue, elle s'est déshabillée. Et elle continuait à marcher. Cette femme qui avait une peau noire, sa peau a commencé à devenir blanche. Une peau blanche, comme une femme blanche, quoi. Imaginez une femme africaine qui a la peau bien noire. Et tout de suite après, au fur et à mesure qu'elle marche, sa peau change. J'ai dit, ça, c'est pas clair. Tout de suite, j'ai arrêté de la suivre et je me suis retourné. J'ai abandonné son chemin. Pour elle, elle m'avait séduit. Pour elle, c'était fini pour moi parce qu'elle pensait que elle avait eu mon esprit comme ça et que j'allais la suivre jusqu'à aller coucher à elle ou bien aller rencontrer la mort. Parce qu'aujourd'hui, coucher avec une femme sans être marié, c'est comme coucher avec la mort. Si vous n'êtes pas mort, c'est que c'est Dieu qui vous aime beaucoup. C'est que c'est Dieu qui vous aime trop. Regardez l'écran. Vous voyez la première image là-bas? On voit qui? On voit Joseph. Joseph. Le même Joseph de la Bible qui a fui la femme de Potiphar. Vous voyez ça, non? Elle a attrapé. Elle dit, viens coucher avec moi. Il dit, non, je ne peux pas. Viens coucher avec moi. Il dit, non, je ne peux pas. Oh mon Dieu. Le monsieur a fui. Il a fui parce qu'il respectait son maître et parce qu'il voulait obéir à Dieu. Combien de personnes sur la terre ici fuient l'alcool, la tentation de l'alcool? Le monsieur a clairement dit que sur la terre, si vous buvez du vin, mais en enfer, ce sera de l'acide qui vous attend. C'est ce que vous allez boire là-bas. Est-ce que vous vous en rendez compte? Est-ce que vous vous en rendez compte? Aïe, aïe, aïe. Seigneur, ta grâce. Qu'avons-nous fait pour mériter ça? Toutes ces choses que le diable a créées sur la terre ici, là, il les a créées parce qu'il veut vous emmener en enfer. Ce monde est une machine qui prépare les gens à aller en enfer. Dans ce monde, quand tu n'as pas de goût, tu n'as pas de copine, on se moque de toi. On se dit, oh, tu n'es pas à la mode. Quand tu n'as pas connu de femme, on se moque de toi. Les gens disent, oh, regardez celui-là, il est puceau, il est puceau, il est puceau, il ne connaît pas de femme, et tout le monde se moque de toi. Tout le monde se moque de toi. Combien de personnes se sont moquées de moi? Combien de personnes se sont moquées de moi dans ma vie? Je ne peux pas compter.
Quand tu es une fille vierge, on dit, oh, pourquoi tu es vierge? Tu n'as même pas de copain. Tu n'as même pas de gars. Alors que c'est là qu'on dit en enfer. Moi, je ne vivais pas, j'ai rencontré des gars qui boivent, des amis qui boivent. Ces amis-là ont commencé à m'évangéliser, donc ça me dit, écoute, Willy, voici de la bière, il faut goûter. Parce que moi, je m'appelle Williams. Vous voyez, Jean Williams. Donc, les gens souvent m'appellent Willy. Même mon père m'appelle Willy. Je suppose que c'est à cause de lui, les gens ont commencé à m'appeler Willy, puisque lui aime bien m'appeler Willy. À cause d'un de ses amis, je pense. Et regardez ça. Des gens m'évangélisaient et me disaient, regarde l'alcool, viens et bois. Tu n'as jamais bu d'alcool de ta vie, viens goûter. Et à force d'entendre les gens parler et parler et parler, je me suis dit, bon, attendez, je vais écouter et voir ce qu'il y a à l'intérieur. Voici comment la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Si vous êtes bon, ne marchez pas avec de mauvaises personnes. Vous n'allez pas les changer. Si vous ne faites pas attention, ce sont eux qui vont vous changer. Ça, je vous le dis. Regardez l'alcool. J'ai bu finalement cet alcool, j'ai bu. C'était un truc du genre John Guinness ou bien Flag. J'ai goûté à Flag. J'ai goûté à Guinness. Quand j'ai goûté à Guinness, j'ai dit, ah, comment c'est possible? Comment pouvez-vous boire une chose qui est si amère? J'étais juste choqué. Choqué de savoir qu'il y a des gens ici qui ont des casiers de bière dans leur ventre. Et on apprend ici au travers de ce témoignage que en enfer, les gens vont boire de l'acide à la place des bières, à la place de l'alcool, à la place de ce qu'ils ont l'habitude de boire ici sur la terre. Ce n'est pas le premier témoignage qui parle de ça, hein? Sérieux. Gigi même. Ça commence à faire peur. Ça commence vraiment à faire très peur. J'ai écouté le message de ce gars. Je me suis dit, vraiment, nous devons chercher Dieu. Écoutez ça encore. La fornication, de l'immoralité sexuelle, des drogues, de l'homosexualité. Sortez de la boisson, sortez du vin. Le vin que tu bois sur la terre là te rattrape en enfer, mais ce n'est plus le vin que tu boiras là-bas, c'est de l'acide. C'est de l'acide qui va brûler tout ton corps. Pardon, je vous en prie. Ne voulez pas oublier ce message. Asseyez-vous, écoutez-le bien. Écoutez-le bien et changez de vie. Écoutez-le bien et suivez le Seigneur. Suivez la voix du Seigneur. Écoutez-le bien. Saisissez la grâce de Dieu. Peut-être que c'est la dernière opportunité qu'il nous donne. Le plus difficile, ce ne sera pas de mourir. Ce ne sera pas de voir quelqu'un d'entre nous être détaché de nous. Mais de savoir où tu iras. Il y a deux lieux de destination. Quel sera ton lieu de destination? Si Jésus reviens à l'esprit du centre de parler, ou si la mort te prend à l'esprit du centre de parler, quel est ton lieu de destination par rapport à tout ce que tu poses comme action? Tu n'as même pas le temps de demander pardon à Dieu. Toi, tu es dans le vin, mais tu rentres ivre le matin, la nuit. Le matin, tu t'élèves, tu repars dans tes occupations. Même pardon ne sort pas de ta bouche. Toi, tu es là, c'est toi qui connais toutes les femmes du quartier.